Yo les gars, Sienchi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Apparemment, mon micro serait assez bas, donc je sais pas si vous allez m'entendre très fort, mais en tout cas, mettez le son de la vidéo au max. Dans cette vidéo, on va acheter les skins Stranger Things et on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et aussi beaucoup de choses à récupérer. Alors, club de Fortnite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec le club? Rocket Pass, grâce à votre abonnement, accès au Rocket Pass Premium de Rocket League. Ok, bah j'irai jouer à Rocket League demain. Je savais même pas. Pass original. Ok, donc j'ai eu le pass. Donc j'ai eu 950 V-Bucks parce que j'avais déjà acheté le pass de Fortnite. Donc c'est pour ça que j'ai eu 950 V-Bucks. Ensuite, hybride dragon d'acier. Ok, le petit skin avec son petit sac à dos, ses petites pioches. Alors franchement, c'est pas le plus beau skin. Donc j'ai un peu le seum. Mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Et 1000 V-Bucks. Ok, donc on a eu 1950 V-Bucks vu que j'avais déjà le pass. On a eu le pass Rocket League et on a eu aussi un skin pas ouf. J'ai juste envie de regarder le skin pour voir. Hop. Ouais, donc les skins sont DV, sont bloqués. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oh, magnifique. Ok. Waouh. Non, ok. Le skin est pas mal. Je retire ce que j'ai dit. D'ailleurs, regardez le petit combo que je me suis fait. Il est magnifique. Mais avec ce skin, les gars, je me suis fait déjà au moins 4 combos. Genre vraiment. J'ai 4 combos différents avec ce skin chevalier. Il est trop incroyable. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Alors déjà, vous voyez que j'ai 2700 V-Bucks. Et c'est pile assez pour aller dans la boutique. On va pas trop se spoil. Et donc, je vous explique de A à Z. Alors, premièrement, j'avais besoin de V-Bucks. J'avais besoin de V-Bucks. Il me restait, je crois, à peu près 400. J'ai pas bien compté. Il me restait 400 V-Bucks. Et il faut savoir que les passes de combat, j'ai arrêté de les acheter il y a 3-4 saisons parce que j'ai arrêté un petit peu le jeu. Et donc là, j'ai repris bah pour la saison originale. Et donc, pour reprendre, j'ai acheté le pass de combat. Et donc, c'est pour ça que j'ai des bugs dans le club. Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Du coup, il me restait quelques V-Bucks. Et je me suis dit, ok, je vais dans la boutique de V-Bucks. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi pour pas mettre trop d'argent dans Fortnite? Juste pour les skins Stranger Things. J'ai calculé un petit peu. Je me suis dit, celui-là il serait pas mal, mais 1000 V-Bucks c'est pas assez pour deux skins. Celui-là il est bien, mais 22 euros c'est un peu cher. Donc j'ai calculé, j'ai regardé. Et je me suis rappelé du club de Fortnite. Donc j'ai regardé et j'ai vu 1000 V-Bucks plus 950 V-Bucks si t'avais déjà le pass. Donc en gros, je me suis dit, ok, si j'achète le club 11 euros, j'ai 1950 V-Bucks. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc 1950 V-Bucks plus 400, ça faisait, attention les calculs mentaux, à peu près 2300 et quelques, 2400, parce que j'avais un peu plus. Et c'est toujours pas assez. Parce que si on calcule les deux là, 1500 plus 1200, ça fait 2700. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire les gars? J'ai dû installer Sauver le Monde, parce que je l'avais désinstallé Sauver le Monde, parce que oui, vous pouvez le désinstaller dans vos options, c'est un peu galère. Je ne vais pas vous expliquer. Mais donc j'avais désinstallé pour obtenir de la place. Et donc j'ai dû le réinstaller. Et j'avais 3 quêtes quotidiennes à 80 V-Bucks que j'avais stockées depuis longtemps. Parce que les quêtes quotidiennes sur Sauver le Monde, de base, c'est 50 V-Bucks. Mais si t'as un peu de chance, tu peux avoir des quêtes à 80 V-Bucks. Et donc j'ai fait 3 games Sauver le Monde. J'ai eu mes 80 V-Bucks x 3. Et ça m'a fait pile assez pour avoir 2700 V-Bucks. C'est incroyable, les gars. J'ai fait le rat. J'ai cherché des V-Bucks partout. Et j'ai trouvé. Après, j'ai désinstallé Sauver le Monde. Et voilà. Ça fait 4 minutes qu'on parle. Je vous expliquais comment j'ai eu des petits V-Bucks. Maintenant, ce qu'on va parler, ça va être des skins. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le pack Stranger Things. Donc, je ne sais pas quand la nouvelle saison elle sort, mais j'ai plutôt hâte. Donc, on a 11 avec ces deux skins-là. Alors là, franchement, horrible. Ça, c'est horrible. Je suis désolé, mais moi, j'aime pas du tout. Pour les tryharders, peut-être c'est pas mal. Moi, j'aime pas du tout. Et celui-là, il passe. Mais c'est vraiment très classique. Le sac à dos, il est pas très gros. Il est sympa. Pour ceux qui aiment bien les pancakes. La maison, elle est vraiment moche. Par contre, en bleu, elle a vraiment un style magnifique. Mais bon, le sac est très gros. Il y a la batte de Steve. Bon, ils ont pas fait d'effort. C'est une batte avec des pics. Et la lance d'Eddie. Qui est pas dégueu. Et on a une petite danse. Qui est franchement pas mal la danse, mais il n'y a pas de musique, c'est dommage. Donc voilà, et vous avez tous les trucs à l'unité.
Et à droite, qu'est-ce qu'on voit de beau, les gars? Deux skins OG. Puisque moi, vous le savez, je suis un grand collectionneur. Voilà, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de skins. Oh, purée, ça est beaucoup. Et j'ai pas ces deux-là. Il me semble que il me manquait juste les deux-là et Black Widow. C'est juste ça. Donc la Black Widow normale, je crois qu'elle est toujours pas sortie. Et donc ces skins, les gars, je vais vous donner une petite anecdote. Ils sont sortis pour la dernière fois. Sachant qu'ils ne sont pas sortis beaucoup de fois, ils sont sortis 2-3 fois dans la boutique. Pour la dernière fois, le 6 novembre 2019. Regardez la date d'aujourd'hui, on est le combien? On est le 6 novembre 2023. Ils l'ont sorti le même jour qu'en 2019. Et en plus de ça, ça fait, attention je compte, 2020, 2021, 2022, 2023. Ça fait 4 ans que c'est pas sorti, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 ans que ce mec, Hopper, n'est pas sorti. Bon, ce skin, je vais pas vous mytho, je le trouve pas très beau. Déjà à l'époque, je le trouvais pas très beau. Mais bon, je vais l'acheter quand même pour ma petite collection. Et ce petit skin ultra iconique, les gars, le Demogorgon, qui est incroyable. Celui-là, je vais le jouer tellement, tellement beaucoup de fois. Il n'est pas sorti, les gars, depuis 4 ans. 4 ans. C'est énorme. 4 ans qu'on joue à ce jeu. Même plus, mais. Donc, on va évidemment les acheter. Faut savoir que je ne mets plus d'argent dans le jeu, je ne collectionne plus rien les gars, parce que vous le savez à l'ancienne, je collectionnais tous les skins de collab, tous les skins d'événements, tous les skins de raretés bizarres. Genre regardez, j'ai tous les skins de Marvel, tous les skins Star Wars, tous les skins Icon. Enfin, je collectionnais beaucoup de choses à l'époque. Tous les packs aussi payants. Faut savoir que j'ai arrêté il y a combien de temps? Je sais plus. Peut-être quelques mois, peut-être il y a un an. Parce qu'en fait, ça me prenait trop d'argent. Et franchement, c'est un peu triste que j'ai arrêté parce que du coup, bah, je finirai jamais ma collection. Mais bon, j'ai décidé d'arrêter parce que ça me prenait trop d'argent. Vous imaginez pas le nombre d'argent que j'ai mis dans Fortnite, vraiment. Mais du coup, aujourd'hui, c'est Fortnite OG. Je me suis dit, je vais mettre 10 euros, ça régale. On soutient Fortnite, ça fait plaisir. Et donc, c'est parti. On arrête de parler. On va commencer par le Demogorgon, bien sûr. Allez, code créateur NSQ. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les gars. Ah oui, attendez. J'ai oublié de vous dire. Bon, c'est quoi? Attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire un petit easter egg Stranger Things. Et le chef Hoppers. Oh là 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 là. Les gars, faut savoir que j'étais dans mon lit. À 1h du mat, j'étais dans mon lit. Tranquille. J'étais en train de regarder une petite vidéo YouTube de Joyka. Qui faisait un peu peur. Et là. Je vois dans mon feed d'abonnement, LEN, je regarde pas ces boutiques, tu vois, mais je reste abonné. Et je vois quoi? Stranger Things. Là, je me suis dit, non. Je me suis levé de mon lit, j'ai allumé mon PC. Il est 2h du mat, frère. Enfin bref. Oh là 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 là. Et donc, l'anecdote, les gars, qu'est-ce que c'est? C'est que il n'y avait pas uniquement ce skin et ce skin il y a 4 ans. Il y avait aussi un revêtement. Sauf que ça, personne ne le sait. Tout le monde l'a oublié. Il y avait un revêtement, Stranger Things. C'était une sorte de. Avec des tentacules bizarres. Je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemblait, parce que je l'ai pas, je crois. Ça ressemblait à un truc. Un truc comme ça, tu vois. En gris. En gros, c'était des sortes de lianes grises. C'était un peu dans ce genre-là. Et donc, il est très rare, parce que pour l'instant, il n'est pas sorti. Je sais pas s'il va ressortir, justement. Est-ce que Fortnite vont le sortir dans quelques jours? Si c'est le cas, c'est un peu triste parce que j'ai plus de V-Bucks. Mais bon, j'irai farmer dans tous les cas. Et donc voilà. Le petit revêtement qui n'est pas encore sorti et qui sortira peut-être pas. Donc ceux qui ont le revêtement d'il y a 4 ans, vous êtes très bien. Et donc les gars, le seul skin qui me manque, je crois, c'est Black Widow normal. Parce que j'ai Black Widow bizarre là. Je sais pas où elle est. Elle est là. Que j'avais gagné dans une cup, je crois, non? Je sais plus. Il y a moyen que je l'avais gagné dans une cape avec Blouse. Et il n'y a pas longtemps, regardez ce que j'ai trouvé. Où est-ce qu'il est? Vous savez, je vais l'écrire direct. Regardez ce qui est ressorti il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ah non, ok. Ça s'appelle Non. Attendez, je sais plus quoi le nom. Ah si, je m'en rappelle, je m'en rappelle, je m'en rappelle. B1000. Voilà. Regardez ce qui était sorti il n'y a pas longtemps en pack, les gars. C'était un pack, je crois qu'il est sorti il y a 4-5 ans, pareil.
et il est ressorti il y a pas longtemps dans le shop. J'étais obligé de l'acheter. Il était avec de l'argent réel. Et c'est le seul pack que j'achète. Parce que, bah, mec, c'était. Dites-vous que dans tous les packs de Fortnite payants, donc avec de l'argent, tu vois, les packs payants, c'était le seul que j'avais pas. Et il est ressorti il y a pas longtemps. Donc je suis trop content. Enfin bref. Donc maintenant, les gars, on attend Black Widow. Black Widow, je vais refaire une petite vidéo quand elle sort. Ça se trouve, elle est déjà sortie, mais je crois pas. Et sinon, bah, j'aurai tous les skins de l'époque. Tout, 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 tout. Voilà. Jusqu'à une certaine date. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. C'était que du blabla, que de la nostalgie. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo sur le pass de combat parce que j'étais en vacances. Je suis rentré le lendemain de la saison. Donc j'avais un peu le seum un jour après. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait non plus de vidéo ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je joue beaucoup de mon côté. Mais je sais pas, j'hésite à refaire des vidéos. Parce qu'en ce moment, je joue à plein d'autres jeux. Donc voilà. En tout cas, ciao, ciao, pouce bleu, abonnement, commentaire, bye bye.